Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la série vidéo où on fait un chandail de A à Z. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description pour cliquer sur le lien qui vous permet de recevoir mon infolettre mensuelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de supporter la chaîne en devenant un membre. Donc, on est rendu au troisième vidéo de notre série. La première étant l'introduction et les explications. La deuxième, on a fait la préparation du matériel et on a monté les mailles pour le col. Et nous voilà rendus au moment où on a fini le col et on est rendu aux épaules. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter mon col à 3 euh, pouces. Donc, je suis ici. OK? Je suis à. Euh, je, je parle souvent en pouces parce que je suis habituée de tricoter des patrons anglais. Donc, les patrons anglophones ont souvent les mesures en pouces. Mais pour vous donner une idée, j'ai fait 7.5 Centimètres à peu près de côte torse. Et je l'ai essayé et j'ai considéré que c'était assez long pour moi. Donc, maintenant qu'on a fini de faire le rang 1 jusqu'à ce qu'on soit rendu ici, on est rendu à passer aux épaules. Et donc, on va faire la mise en place des marqueurs pour les raglans. Et ensuite, on va faire euh, des rangs raccourcis pour remonter le dos du chandail. Les rangs raccourcis, on a un lien vidéo ici, mais j'en ai un en français. Je vais vous le mettre en lien juste sur la vidéo. On explique comment faire les rangs raccourcis ici. Combien de mailles on a à la fin des rangs raccourcis. Donc souvent à la fin des sections, on nous explique combien de mailles on a, ce qui est quand même une très belle place où euh, s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Et ensuite, on va faire, on va continuer les augmentations raglant. Et on va faire euh, nos raglans jusqu'à ce qu'on fasse ici la séparation du corps et des manches. Donc ça c'est toute une grosse étape. Et c'en est une assez grosse parce que c'est à ce moment-là où on va euh, faire nos augmentations pour atteindre la largeur de manches et la largeur de euh, corps qu'on va vouloir atteindre. Et c'est là où on va pouvoir faire des changements euh, parfois pour la profondeur de cet empiècement-là ici, ou même la largeur de tous nos morceaux. Donc, on va commencer par euh, mettre nos marqueurs de mailles à la bonne place. Donc, déjà, le patron nous dit de passer aux aiguilles circulaires principales, ce qui sont les euh, aiguilles plus grosses. Donc, euh, ici, je passe à des aiguilles qui sont des, selon ce que le patron demande, des 4.5 mm. J'avais fait mon... Échantillon et tout se passe bien avec des 4,5 mm. Donc voici mon aiguille. Si j'avais des aiguilles interchangeables en ce moment sur mon projet, ce qui n'est pas le cas, ce sont des aiguilles fixes, je pourrais simplement enlever l'aiguille avec laquelle je tricote de ma main droite et la remplacer par la bonne grandeur d'aiguille. L'aiguille la, qui est sur ma main gauche n'importe pas du tout, n'importe pas du tout pour avoir la bonne grosseur de maille. Donc, je pourrais laisser mon aiguille 4 mm de ce côté-ci, mettre la 4.5 de ce côté-ci et commencer à faire mon rang et à la fin du rang, changer la deuxième aiguille pour la bonne. Mais comme je suis sur des aiguilles fixes, je vais passer à une autre aiguille. Donc, je vais changer l'aiguille pour ce faire. Je vais aussi avoir besoin de quatre marqueurs de maille. Vous allez voir que j'en ai deux différents. C'est-à-dire que j'ai un set d'une couleur et j'ai un autre set d'une autre couleur. Pourquoi? Parce que je veux savoir, j'aime savoir que après ce premier marqueur, disons que je considère que mes marqueurs rouges seront les marqueurs qui débutent mes manches et que les marqueurs gris seront les marqueurs qui débutent le corps, donc l'avant et l'arrière. Dans ce temps-là, je sais où m'enligner. Vous pouvez aussi choisir quatre différents et avoir votre propre code de couleur ou de forme. C'est vraiment à votre goût. Pour la section raglant, on va continuer à alterner nos écheveaux toujours au même point jusqu'à ce qu'on passe à la séparation du corps après. Donc, première chose à faire, ici on dit d'utiliser les 16 pouces. J'ai ici euh, un petit peu plus long que 16 pouces. Ça va bien aller. Rang de mise en place des marqueurs. Donc on a surligné nos, 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 nos chiffres qui nous conviennent. Donc on peut rapidement voir, je dois faire 15 mailles en droit, placer un marqueur. 33 mailles en droit, placer un marqueur. 15 marqueurs. 33 marqueurs. Donc je commence avec les chevaux qui étaient en dessous, parce que je viens de finir un rang avec celui-là. Je vais prendre celui juste en dessous. Et je vais com commencer à, com à tricoter endroit avec, en fait, pas cette aiguille, j'allais me tromper, avec cette aiguille qui est la nouvelle aiguille avec le, les mailles, euh, avec les aiguilles plus grosses. Donc je vais compter 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais les recompter pour être sûr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Et je vais mettre un marqueur. Euh, la, 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 les premières mailles ici, c'est le plus petit chiffre, ce qui veut dire que c'est les manches ici. Et je vais mettre un marqueur gris pour le début de mon corps. Donc après mon marqueur gris, c'est mon corps qui commence et c'est 33 ici 33 mailles. On peut faire le focus sur la feuille. 33 mailles endroit, place un marqueur. Donc 1 2 3 Donc je recalculer, recompte pour être sûr parce que c'est vraiment, c'est mon rang de mise en place. Si je me trompe dans mon rang de mise en place, c'est là où ça va être difficile de réajuster, il va falloir revenir. Donc, euh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, tout va bien. Début d'une manche. Après ça, je mets mon marqueur d'une couleur différente pour marquer que c'est le début de ma manche. 15. Trente et un, trente-deux, j'ai le bon nom, tout va bien. <laughs> Donc, je peux mettre mon marqueur, oups, ici. Et euh, ce que je peux faire aussi, c'est avoir quelque chose de différent sur ce marqueur-là pour me dire, hé, hey, c'est le début de mon rang. Euh, moi, la façon que je le sais, c'est assez évident, j'alterne mes écheveaux. Donc, quand j'arrive à mon nouveau fil, c'est un nouveau rang. Euh, donc, je n'ai pas nécessairement besoin de me placer un euh, marqueur qui me dit que c'est le début du rang, nécessairement. Je pourrais, par contre... Au lieu d'avoir un marqueur rouge, avoir un marqueur totalement différent, comme ce beau petit marqueur ici. Oups, celui-là rentre pas. <laughs> euh, mais je peux mettre ce marqueur sur mon travail qui m'aide à, à savoir que quand je passe ce marqueur rouge-là avec le petit pendentif ici, ça veut dire que je suis au début de mon rang. Vous pouvez aussi utiliser une autre couleur de marqueur. Donc. J'ai fait l'étape où j'ai fait mon premier rang et j'ai marqué l'endroit. Là, avant de commencer nos rangs raccourcis, je vous encourage grandement à mettre un, une ligne de vie si vous n'avez jamais fait de chandail. C'est une bonne façon. Ou si vous n'avez, vous n'êtes pas sûr des mesures, vous n'êtes pas certain que ça va être vraiment ce que vous voulez, euh, mettez une ligne de survie, passez un fil à travers toutes les mailles. Comme ça, ça va être très facile. Quand, si vous faites une erreur et vous devez revenir, de détricoter jusqu'au niveau du col. Et vous n'avez pas besoin de refaire le col. Il est fait, il est fini, il est beau, on l'aime. Parfait. OK. Donc, on a tous les marqueurs. Ça nous dit les manches droites, avant, manche gauche, dos. Maintenant, la mise en forme des rangs raccourcis. On va faire des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, on nous dit, on tricote à l'endroit les mailles de la manche droite, on glisse le marqueur une maille endroit avant et arrière qui est une augmentation trois mailles endroit faire le rang raccourci à l'allemand donc une chose à la fois allons-y on commence par changer de pelote j'ai fini avec celle-là ici alors je vais prendre celle-ci en dessous sans tirer trop fort et je vais simplement commencer à tricoter et je vais tricoter toutes les mailles de la manche Quand j'arrive au marqueur, je vais le glisser. Donc on, on voit, on observe qu'en ce moment, ce qu'il nous demande de faire, c'est de tricoter les manches sans faire d'augmentation. Ici, on fait une augmentation après le marqueur. Donc ça veut dire qu'on fait des augmentations au corps sans faire d'augmentation euh, au. Manches. Certains raglans sont faits où on fait toujours le même nombre d'augmentations aux manches et au corps, mais vous allez voir avec les explications par après que ce n'est pas le cas de ce chandail-là. Le, le ratio d'augmentation est plus rapide sur le corps que sur les manches, ce qui fait qu'on a un corps beaucoup plus carré, plus large, plus euh, avec plus daisance que les manches. Évidemment, parce que si on, a, on met plein, plein, plein daisance sur le corps et sur les manches, les manches vont se retrouver à être beaucoup trop grandes. Donc, on glisse le marqueur. Ensuite, on fait une maille en droit avant et arrière. Donc, on tricote dans la maille en avant. On ne l'enlève pas de l'aiguille. On vient tricoter dans la maille arrière. OK. Et on enlève. Donc, on a augmenté d'une maille ici. Ensuite, ça dit trois mailles en droit. Un, deux, trois. Faire le rang raccourci à l'allemande. Donc pour faire le rang raccourci à l'allemande, ce que moi je préfère c'est tourner en premier. Je tourne mon travail. Mon fil est ici en avant. OK? Je le laisse où ce qu'il était depuis le début. Je glisse ma maille sur mon aiguille droite et je ramène le fil à l'arrière en tirant pour créer une maille double. Et ensuite, je ramène le fil en avant puisque je dois tricoter à l'envers. Et je vais maintenant suivre l'étape 2, qui est l'envers. Tricoter à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur de manche raglant. Donc, mon marqueur de manche est ici, hein? ça c'est ma manche, d'ici à ici. Donc je tricote à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur. Donc un. Et c'est là où ça, les, les chiffres vont changer au fur et à mesure, mais là je suis deux mailles avant. Donc un, deux mailles avant, j'arrête. Et je fais une maille envers, avant et arrière. Donc je suis ici. Je tricote à l'envers dans l'avant et je viens tricoter à l'envers dans l'arrière. Pour faire ça, on doit aller chercher de l'arrière du brin vers l'avant et tricoter à l'envers comme ceci. Je vais le redémontrer, ne vous inquiétez pas. Ici, donc on a fait une autre augmentation. Ensuite, une maille à l'envers. On est rendu ici, une maille à l'envers. Glisse le marqueur. Une maille envers avant et arrière. Donc après avoir glissé le marqueur, on refait cette cette technique de, de faire une, une augmentation à l'envers. Donc on tricote à l'envers à l'avant. On n'enlève pas la maille de l'aiguille gauche. On vient piquer à partir de l'arrière dans le brin. Moi, j'aime utiliser mon doigt pour me donner un peu de place pour insérer l'aiguille à partir de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Et voilà. OK. Donc on vient de faire ceci. Une maille envers avant et arrière et tricoter à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur début de rang. OK. Je suis à deux mailles d'ici. Donc là on peut voir c'est quoi le le qui vont nous demander de faire quand on nous demande d'arrêter deux mailles avant le marqueur, on s'imagine que voyons le focus ne veut pas se faire et voilà um, une maille envers avant et arrière une maille envers ne pas tourner donc je fais une maille envers avant et arrière oups et arrière Une maille envers. Ne pas tourner. OK. Donc je suis rendu à l'étape 3. Glisser le marqueur début du rang. Check. Oup. Une maille envers avant et arrière. Un. Je vais le faire. À l'anglaise pour vous. Et là, on a ce fil parce qu'on a... On a Alterner les écheveaux. Ne vous inquiétez pas, quand on fait du aller-retour, on ne on va pas alterner les écheveaux à chaque rang, on va alterner à chaque deux rangs. Donc, on va y revenir. Pour l'instant, on va le laisser tranquille. On va juste continuer avec cet écheveau. On fait à l'envers d'en avant et on vient piquer à partir d'en arrière ici. Et on fait un autre point envers. Super. Et celui-ci, on suit la logique de notre, de notre patron. Ça ici, c'est rendu le dos. On vient de faire la manche. On fait le dos ici. Et donc, j'imagine, si j'essaie d'être logique, que ici, je vais devoir arrêter à deux mailles du marqueur et faire un maille avant et arrière. Parce que j'augmente à chaque rang au niveau du corps en ce moment. Donc, on va lire pour être sûr que c'est ça. Tricoter à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur de la manche raglant, une maille avant et arrière, glisser le marqueur. Tricoter à l'envers les mailles de la manche gauche, glisser le marqueur. Donc je n'ai pas à faire d'augmentation sur ma manche, seulement sur mon corps. Donc je suis à la fin des mailles de mon dos. Je tricote envers sur l'avant et sur l'arrière de cette maille. Je tricote envers la dernière. Je glisse le marqueur. Je tricote toutes les mailles de la manche sans augmenter. Je dis toujours, c'est bien de suivre les instructions écrites. Mais il faut les comprendre, il faut avoir une idée générale de ce qu'on crée. Donc en ce moment, si je me fie aux instructions, ce que je peux comprendre, c'est qu'à tous les rangs, on fait des augmentations au niveau, en ce moment sur, sur les rangs raccourcis, là, on fait des augmentations au niveau du corps, mais on ne fait des augmentations au niveau des manches qu'un rang sur deux. Donc j'étais rendu ici à l'étape 3. Et j'ai tricoté à l'envers les mailles de la manche gauche. Je glisse le marqueur. Je fais une maille envers avant et arrière. Ok. Ensuite, je fais une maille envers. Ne pas tourner. Ah euh, non, je suis pas rendu là. Je suis rendu ici. Vous voyez, des fois, c'est bon aussi de, de se mettre des petites des petites quand on a fini une partie on peut mettre quelque chose pour couvrir cette partie là pour dire ok je suis rendu plus bas donc vous pourriez très bien avoir une espèce de règle pour vous aider à cacher les choses que vous avez déjà faites donc moi je suis rendue à l'étape 3 j'ai fait une maille envers avant arrière trois mailles envers et faire le rang raccourci donc 1 2 3 je retourne et je fais un rang raccourci. Donc maintenant, je suis de l'autre sens. Je suis rendue sur l'avant de mon travail. Je vais amener mon fil en avant. Je vais glisser ma maille comme pour tricoter à l'envers et je vais la ramener à l'envers en tirant bien fort pour me faire une petite maille double. OK, j'ai fini l'étape 3. Floup. Je peux maintenant regarder l'étape 4. Tricoter à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur de manche raglant. Donc faisons-le tout de suite. Quand il y a beaucoup d'instructions sur une même étape ou une même ligne, c'est bien de les lire au complet. Mais c'est aussi bien si je les lis au complet puis que je fais juste essayer de, de, de tout le comprendre d'un coup, des fois c'est trop. Si je le lis une étape à la fois et je le fais, des fois ça fait plus de sens. Donc, tricoter à l'endroit jusqu'à deux mailles, deux dernières mailles avant le marqueur de manche raglant, c'est fait. Une maille endroit avant et arrière. Allons-y. Donc, cette maille ici, on va faire une maille endroit. Et dans l'arrière. Ici. Super. Ensuite, une maille endroit. Vous glissez le marqueur. Vous pouvez avec moi ici, on est rendu là. Une maille endroit avant et arrière. Ici. Une maille endroit avant et arrière. On est là. On peut même faire ça ici tricoter à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles avant le prochain marqueur de manche raglant. Donc ici, tricoter à l'endroit. Donc on fait des allers-retours comme ça euh, jusqu'aux deux dernières mailles avant, une maille en droit avant et arrière. Ici, une maille en glisse le marqueur. Une maille en glisse le marqueur. Une maille en avant et arrière et tricoter à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur du début du rang. OK. Donc, une maille en droit et arrière. Euh, avant et arrière. Tricoter jusqu'à deux mailles avant. Le début du marqueur. Je vais vous avouer, les rangs raccourcis sont souvent l'étape des rangs raccourcis avec des raglans. C'est souvent l'étape la plus euh, demandante côté euh, concentration d'un chandail. Une fois qu'on a passé les rangs raccourcis et qu'on fait les raglans en rond, c'est beaucoup moins compliqué et une fois qu'on a passé la séparation pour les manches là par exemple on est dans l'étape la plus simple qui est de tricoter en rond et en rond et en rond jusqu'à ce qu'on ait atteint l'étape de faire les côtes. Donc ici on est à deux mailles avant le marqueur de début de rang. On fait une maille endroit avant et arrière. Comme ça. On fait une maille en droit. Et maintenant, on est rendu à l'étape 5. Donc, ici. Maintenant, ici, ça nous dit tricoter à l'endroit jusqu'à trois mailles après le dernier rang raccourci à l'anglaise et faire un rang raccourci. Donc, on voit ici qu'à l'étape 4, à l'étape 5, qui est rendu en fait euh, notre troisième rangée. Hein, on est parti d'ici, début du rang. On est allé dans un sens. On est revenu. Ça fait deux. De l'autre sens, on a fait la même chose. On est allé d'ici, 1, 2. Maintenant, on est rendu au troisième rang de notre raglan et on nous demande de ne faire aucune augmentation jusqu'à temps qu'on soit rendu à tourner. Donc, ici, ça va être l'étape le, 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 un peu plus euh, facile. On va déjà changer de couleur parce qu'on est revenu à notre marqueur euh, du début. On va prendre cette couleur-là, on va tricoter. Jusqu'au dernier euh, rang raccourci et on n'a pas besoin d'avoir, on n'a pas mis de marqueur nulle part, mais on le voit ici. Regardez cette espèce de trou qui s'est créé ici avec cette espèce de maille bizarre double. Ça c'est notre rang raccourci. Donc, allons-y. On tricote jusque là sans se soucier de faire aucune augmentation. Je suis rendue à mon rang raccourci ici. Je vais le tricoter. Donc, il faut faire attention de bien prendre les deux, les deux brins qu'on a, on a fait en faisant la maille double et tricoter ensemble. Maintenant, on va tricoter trois mailles, passées un, deux, trois mailles de plus. On, va, on est arrivé ici, tricoter l'endroit jusqu'à trois mailles après le dernier rang raccourci, faire le rang raccourci. Donc, il faut le faire. On retourne notre travail. J'étais comme ça. On le retourne. On glisse, je vais le faire à l'anglaise. Donc, on passe notre maille comme pour tricoter à l'envers. On glisse, on tire vers l'arrière et on ramène à l'avant parce qu'on va tricoter à l'envers. Maintenant, étape 6, répétez l'étape 2. Oh, ok, on revient à l'étape 2 ici. Ok. Tricoter à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur de manche. Donc, on est dans une... Une étape ici où on va faire des augmentations. Où est-ce qu'on va les faire? On va en faire une avant le marqueur de manche. On va glisser le marqueur de manche. On va en faire une autre après le marqueur de manche. Ensuite, on va tricoter jusqu'aux deux dernières mailles avant le marqueur du début du rang. Et on va en faire un autre. Donc, on a trois augmentations à faire. Et on a trois espaces. Un, deux, trois. Allons-y. Donc, quand on commence à prendre le beat de nos augmentations et où on les fait. On peut lire nos instructions un peu plus rapidement parce qu'on comprend où est-ce qu'on en est. Donc, ici. Et quand on est avant le marqueur, on fait notre augmentation. Oups, j'ai passé tout droit, vous voyez. Je suis rendue à une maille de mon marqueur. On fait notre augmentation dans la maille avant, euh, dans les, la maille... Deux mailles avant, et quand on est après le marqueur, on fait l'augmentation dans la maille juste après le marqueur, quand on est à l'envers ici. Donc, ici, on tricote à l'envers, on n'enlève pas la maille, on vient vers l'arrière, ici, on tricote celle-là, et voilà. Une augmentation de fait. On passe notre marqueur, on en fait une autre juste ici. Le marqueur est un peu dans le chemin, des fois on peut le passer vers l'arrière. Super. On en fait une autre ici, directement après le marqueur. OK. Et on continue jusqu'au marqueur de début de rang, à deux mailles de l'endroit du marqueur. Je passe souvent tout droit, mais parce que moi je peux toucher mon marqueur, je le vois, alors je reviens. Et c'est pas grave. OK. Je suis rendue à mon marqueur. Ne pas tourner. Là, j'ai fait l'étape 2, mais je ne suis pas rendue à l'étape 3, je suis rendue ici à l'étape 7, OK? Parce que j'ai fait 5, 6, 6, c'était l'étape 2. Maintenant, je suis rendue à l'étape 7. Ça dit tricoter à l'envers jusqu'à 3 mailles après le dernier rang raccourci à l'allemande. Faire le rang raccourci. Donc, vous voyez, là, je vais encore faire cette rangée-là jusqu'au dernier rang raccourci sans faire aucune augmentation. Et au retour, je répète l'étape 4, qui était de faire des augmentations à chaque. Marqueur avant et après. Donc, je vais le faire et euh, je vous reviens ici quand on va avoir fait l'étape 7 et l'étape 8. On est de retour, j'ai fait mes étapes une à huit une fois de plus. Et maintenant, on s'assure qu'on compte bien nos mailles pour être certain qu'on a bien fait nos augmentations à la bonne place. Donc, on devrait avoir un certain nombre de mailles, 23 pour moi euh, pour les manches et un certain nombre de mailles pour l'avant et l'arrière, donc 45 pour moi à l'avant et à l'arrière. Et donc tout ça était correct pour moi, donc j'ai continué. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à tricoter, recommencer en fait à tricoter en rond. Donc ici, on nous dit continuer les augmentations raglant comme suit en changeant pour des aiguilles plus longues lorsque les mailles seront trop entassées sur les aiguilles. Ce que vous devrez faire si vous utilisez des aiguilles courtes, mais si vous avez déjà des aiguilles très longues, ça se peut que vous deviez juste arrêter de faire votre magic loop ou votre traveling loop et passer à du circulaire régulier, ou comme le patron le demande, changer d'aiguille pour une plus longue. Donc, avant de commencer tous nos, toutes nos augmentations raglant, on veut s'assurer qu'on comprend bien ce qui se passe. Donc, au lieu de vous lire mot à mot tout ce qui est écrit ici, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire évidemment vous-même, ce que je vais vous montrer, c'est euh, les, les petites parenthèses à la fin. Donc, ici, ça nous dit 4 mailles d'augmentation pour le corps de l'ouvrage. Donc, si on a un schéma, donc je vous ai fait un petit dessin vraiment de base ici. Donc, si on regarde notre col à partir du haut et qu'on comme on dit que mettons c'est ici qu'on commence notre euh, notre début donc si j'appelle celui-là le début du rang ce marqueur donc ça c'est mes marqueurs marqueur 1 2 3 4 donc ça c'est mon marqueur de début du rang quand je commence, ça, ça, on a déjà établi que c'était l'arrière droit de mon corps, donc c'est en arrière de mon épaule droite. Donc ça, ça devient ici les mailles pour ma manche droite. Je vais faire MD. Ça c'est l'avant du chandail. Ça c'est la manche gauche. Et ici on a l'arrière du chandail. Ok? Donc, quand on tricote, on tricote dans ce sens-là. Comme ça ici. Et on arrive à l'arrière. Donc, quand on nous dit sur ce morceau ici, quatre mailles d'augmentation pour le corps de l'ouvrage, ça veut dire qu'on fait juste des augmentations ici, ici, pour le corps. On n'en fait pas sur les manches, on en fait sur l'arrière et ici. Donc, on va faire des augmentations seulement à l'avant et à l'arrière, mais pas à l'intérieur des marqueurs pour les manches. Donc, notre premier marqueur, il n'y aura pas d'augmentation ici. Il n'y aura une, pas d'augmentation ici. On va glisser le premier marqueur. En fait, après le début du rang, on va faire une augmentation. On va tricoter. Augmentation. Glisser marqueur. Pas d'augmentation. Pas d'augmentation. Glisser marqueur. Augmentation. Augmentation. Après on arrive au début du rang, et là on va passer au deuxième rang. Donc faut il euh, comp faut comprendre où est-ce qu'on est, ça c'est le rang numéro 1. Ensuite, rang numéro 2, augmentation de 8 mailles. Donc on sait que les huit places où on peut faire des augmentations, c'est à chaque avant et après chaque marqueur. Donc on sait qu'au rang 2, je vais mettre un 2 à la place d'un X. Au rang 2, on va faire une augmentation ici, ici.

Le rang 2, c'est 8 mailles d'augmentation. Donc encore une fois, au rang 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et les petits X au début, c'est le rang 1. Donc ça fait augmentation juste sur la moitié des endroits. Augmentation partout. Aucune augmentation. Augmentation partout. Quand on comprend ça ici, ça nous dit ensuite tricoter les rangs 1 à 4, un total de, moi c'est 10 fois. Donc ce que je vais faire pour me démêler, parce qu'évidemment, euh, on peut à l'œil compter nos augmentations et savoir où est-ce qu'on en est, ce que je recommande toujours de faire quand même, de regarder son travail, je viens de faire 4 rangs, donc je viens de faire une première, euh, euh, une première fois les rangs 1 à 4. Maintenant, il me reste neuf fois à le faire. Mais pour être sûr que je le fasse bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite épingle et je l'ai mis dans la dernière rangée d'augmentation ici pour me dire j'ai fini une section de quatre rangs. Donc, j'ai mis ma petite épingle dans mon augmentation. Ici, j'ai neuf autres épingles qui vont me permettre de savoir où est-ce que je suis rendue, quand est-ce que j'ai fini, en fait, d'augmenter le tout. Donc, je vais commencer mon rang numéro 1, où est-ce que est mon euh, marqueur J'avais un petit marqueur rouge ici qui est disparu. Hmm. Je vais le trouver. Mais en attendant, je pourrais évidemment mettre toutes ces épingles-là qui sont mes marqueurs. Je pourrais les mettre sur mon aiguille déjà. Quand je tricote comme ça, elles sont toutes déjà prêtes à être prises. Je change de laine à chaque rang parce que je suis de retour à faire. Mon travail en rond. Donc, je prends la laine dessous à partir de la gauche et je commence à tricoter. Et là, je suis au rang 1. On aurait dit au rang 1, on fait des augmentations seulement sur le corps de l'ouvrage. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à mon premier marqueur qui est mon marqueur de corps ou de fin de manche, dépendant comment vous voulez voir ça. C'est vraiment à votre, à votre goût. Et quand je vais arriver là, on sait que parce qu'on le fait depuis euh, les les euh, grands raccourcis, que quand on arrive à un marqueur, quand on fait nos augmentations avant le marqueur, on le fait dans la maille euh, la deuxième maille avant le marqueur, et quand on le fait après le marqueur, on le fait dans la première maille directement après avoir glissé le marqueur. Donc j'y arrive. J'arrive ici où j'ai fait ma dernière augmentation. On la voit très bien, hein, cette augmentation-là, elle est assez claire. Normalement, si je faisais une augmentation, je la ferais ici, mais je n'en fais pas sur ce rang-ci. J'arrive au marqueur, je le glisse et je fais une augmentation dans cette maille en faisant un tricot avant et arrière. Et je continue à tricoter jusqu'au prochain marqueur. Et cette fois-ci, je vais faire une augmentation avant le marqueur. Si ça vous mélange, regardez, faites-vous un schéma comme le mien. Regardez-le pour être sûr de savoir où est-ce que vous en êtes rendu. Et pour vous donner un visuel, sur ma manche ici, quand on la regarde bien, euh, ça, c'est la manche. On peut voir que j'ai une augmentation ici. J'ai une petite ligne ici, une petite barre qui n'a pas d'augmentation dedans. Ça, c'est ma rangée où je n'ai pas fait d'augmentation. Ensuite, j'ai une augmentation. Pas d'augmentation. J'ai une petite barre ici qui les sépare. Augmentation. Pas d'augmentation. Donc, j'augmente un rang sur deux sur les manches. Mais sur mon corps, je vais le. Le stretch un peu pour que vous puissiez le voir sur mon corps. Ici, j'ai une augmentation, une autre augmentation, une rangée pas d'augmentation et une augmentation. Donc vous voyez comment ces deux-là ici sont rapprochés. Ils n'ont aucune barre entre les deux. Ils n'ont aucune euh, rangée qui les sépare. Augmentation, augmentation, pas d'augmentation, augmentation, augmentation. Le prochain va en avoir, pas. Fait en regardant votre travail, évidemment, ça vous permet de ne pas avoir à noter quoi que ce soit. C'est une des façons de faire. Si vous préférez noter les choses, évidemment, vous pouvez euh, prendre une feuille de papier ou un calepin et simplement, excusez le petit, euh, des... les enfants dessinaient puis ont fait une petite tâche. Vous pouvez simplement, après chaque rang, vous pouvez écrire un. Ensuite, après le rang deux, vous écrivez deux. Après un rang 3, 3, après un rang 4, 4, et après ça, vous recommencez une autre. Donc, au fur et à mesure, vous savez où est-ce que vous êtes, et ça vous permet de compter 1, 2, 3. J'ai fait trois sections de ces, euh, de ces des augmentations en raglant. Il, il y a des raglans plus simples, c'est-à-dire qu'il y a des raglans qui font la même, la même vitesse d'augmentation partout. Et donc on va augmenter partout la même quantité pour le corps et pour les manches, et ça nous crée un raglan qui est un peu moins profond. C'est-à-dire que le devant euh, du corps va euh, aller à la même vitesse que les manches, et on va atteindre un niveau où nos manches sont assez grandes plus vite, et on va se retrouver avec un, un nombre de mailles un petit peu différent dans ce cas-là. Je vais parler rapidement de adapter euh, un raglan. Juste parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà posé la question et c'est un, quelque chose que les gens sont curieux de savoir et aussi adapter la largeur du chandail comme tel. Donc, premièrement, parce qu'on fait un top-down, on peut l'essayer. Ça, c'est merveilleux parce qu'on peut mettre nos mains sur une aiguille plus longue ou sur un fil et essayer le raglan, voir à quel niveau il est rendu. Est-ce qu'il est déjà dépassé nos aisselles? de beaucoup quand nous on voulait avoir un chandail plus court euh, au niveau de, de l'aisselle ou est-ce que on a tricoté toutes les augmentations puis finalement ça atteint même pas le dessous de notre aisselle encore? Donc en l'essayant évidemment on peut reculer et réajuster. Si on veut avoir un chandail qui va être plus petit en diamètre après la séparation pour le corps Évidemment, il va falloir ralentir le niveau de vitesse à laquelle on augmente au niveau du corps. Donc, si vous voulez rapetisser le corps seulement et avoir moins d'aisance au niveau du corps, vous pouvez décider de sauter la première rangée d'augmentation ici et de simplement faire un raglan régulier qui va être euh, pas d'augmentation, augmentation partout. Pas d'augmentation, augmentation partout. Et à ce moment-là, votre corps va... Euh, va grandir à un niveau, à un deux tiers de ce qui normalement grandirait. Donc, euh, c'est sûr que c'est des calculs. Faudrait voir avec les chiffres qui sont sur euh, le chandail. C'est-à-dire que si, ici, on vous dit qu'à la fin des augmentations, on se retrouve avec un certain nombre de mailles. Donc, à la fin des augmentations, je vais avoir 336 mailles au total sur mes aiguilles. 63 pour mes manches chaque et 105 pour chaque section de devant et de dos. Et donc si 105 mailles en avant et 105 mailles en arrière, ça fait un total de évidemment 210. Pour moi, je me retrouve à 210 mailles. Euh, je vais calculer avec mon, mon échantillon si ça me convient. Donc 210 mailles, c'est combien de centimètres par rapport à mon 21 mailles par centimètre? Donc si j'ai 21 mailles par 10 cm, selon mon échantillon, ça veut dire que 210 mailles, ça va être 100 cm. Donc, mon corps va mesurer 100 cm. Si je veux quelque chose de plus grand, je peux aller essayer d'augmenter pour plus de mailles. Si je veux quelque chose de plus petit, je peux augmenter pour la taille d'en dessous. Là, évidemment, euh, moi, je n'ai pas de taille d'en dessous, mais pour quelqu'un qui, mettons, prendrait cette taille-là, 125 mailles, mais voudrait un corps plus petit. On peut décider d'arrêter d'augmenter au niveau du corps à 117 mailles de chaque côté. Donc, on fait nos, nos, nos augmentations. Ici, euh, on fait 13, 13 fois les quatre rangées ici. Fait qu'on peut calculer euh, qu'à la place de faire les 13, on peut décider de faire les 12. Ou à la place de faire les 13 comme écrit, on peut enlever. Euh, les augmentations du rang 1, ce qui va nous donner, évidemment, euh, ici on, on augmente de 2 mailles par avant et arrière. Donc, on augmente de 4 mailles au total, 2 en avant, 2 en arrière, 4 mailles sur le corps au complet. Donc, si on enlève ces augmentations-là x 13, ça fait 4 x 13. Donc, 4 x 13, ça fait... Moi, je suis nulle en calcul rapide, mais je vais vous l'écrire juste en dessous. Et ça veut dire qu'on va avoir... Euh, au lieu d'avoir 250 mailles ici au corps, si on enlevait ça, on va avoir 4 fois 13 de moins. Donc ça va nous retrouver à euh, probablement à l'entour de 200 mailles. Donc est-ce que ça nous convient? On fait notre calcul par rapport à l'échantillon. Si ça ne nous convient pas parce que c'est rendu trop petit, ben on peut prendre, euh, disons qu'on va faire 1, 2, 3 comme écrit sur le patron 5 fois. 6 fois, 7 fois pour arriver à un nombre de mailles qui va nous convenir et ensuite on enlève le rang 1, on le remplace pour le rang 3 qui n'a aucune augmentation. Là j'espère que je ne vous mélange pas trop, c'est quand même un peu complexe comme calcul de départ, mais de faire le calcul de combien de mailles on veut avoir sur notre corps pour changer tout ça va nous permettre... De, de placer nos augmentations de la bonne façon puis d'après d'être moins frustré parce qu'après si on fait tout ça on arrive à ce point-ci de séparation du corps et des manches et que là on réalise que euh, on n'est pas satisfait euh, on n'est pas satisfait pour la grandeur ben là c'est frustrant ok donc euh, j'ai pris ces chiffres là et là je réalise après avoir pris ces chiffres là que tout, 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 Ici, on nous dit de faire les rangs 1 à 3 une autre fois <laughs> et que c'est ces chiffres-là qui comptent. Donc, euh, oubliez ce que j'ai dit par rapport aux chiffres. OK, les chiffres vont être ceux-là ici. 109 mailles à la place de 105 pour moi. Euh, Puis tricoter le rang 1, moins 0 fois, certaines personnes 2, 4, 6, 8. Et ensuite, à la fin de cette section-là, c'est ces chiffres-là qui comptent vraiment. C'est ces chiffres-là que vous allez avoir pour les sections de devant et de dos et pour les manches. Utilisez ces chiffres-là pour faire votre calcul. Parce qu'après, une fois qu'on a séparé pour les manches, euh, c'est plus difficile de changer le, le tour du buste parce que c'est déjà rendu au buste. Donc, il faut se préparer pour que le buste soit correct une fois qu'on qu fait tout ça. Euh, donc, je vous laisse. Me poser vos questions. Si euh, il y a des difficultés par rapport à ça, dites-moi le. Euh, mais vraiment, il y a aussi un peu de essai-erreur où il va falloir essayer votre chandail au fur et à mesure pour voir si vous aimez le rendu. Il faut vraiment pas hésiter à l'essayer souvent pour être certain qu'on aime le rendu et de pouvoir reculer au besoin. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites et que vous voulez mettre une ligne de vie. Euh, après huit rangs ou à chaque fois que vous faites euh, un certain nombre d'augmentations, faites-le. Si ça vous rassure comme ça, vous pouvez l'essayer, puis si ça vous convient pas, on revient, on recule d'une étape et on recommence. Euh, donc voilà pour cette section-là qui est sans aucun doute la plus complexe de tout le chandail. Surtout si on veut faire des modifications. Si on n'a pas l'intention de faire de modifications, vous pouvez suivre le patron à la lettre et j'espère que j'ai démystifié pour vous ces augmentations raglants. Euh, moi, je vais continuer à tricoter sur le euh, sur l'empiècement le, le, de mon chandail et vous voyez déjà que l'arrière de mon chandail qui est ceci. Et déjà, est plus long que l'avant de mon chandail puisque j'ai fait mes rangs raccourcis. On voit l'effet immédiat. Et on voit déjà aussi les raglans qui se dessinent. Donc, ça, ça ressemble à cette rangée, cette colonne de mailles ici qui descend avec les augmentations de chaque côté. Donc, euh, je vous laisse. Euh, je vous laisse à vos, à vos petits calculs et tout. Si vous avez des questions sur les calculs en particulier, venez nous rejoindre sur Ravelry dans la discussion, le lien est dans la boîte de description et euh, on se revoit au moment de séparer le corps et les manches. Bon tricot.